Le 9 mars dernier, Louis était éliminé de l'émission N'oubliez pas les paroles. Après 65 victoires et plus de 350 000 € en poche, le maestro a été contraint de donner son micro d'argent à Charlotte. Et une chose est sûre, il est ravi d'avoir pu donner sa place à la chanteuse. Je suis tous les soirs le parcours de Charlotte. Je suis vraiment tombé contre quelqu'un de très fort et je veux voir jusqu'où elle va, a-t-il indiqué. L'ancien champion est persuadé que la jeune femme ira loin. Je ne serais pas étonné que son parcours soit assez long. Je suis content de ne pas m'être fait éliminer par quelqu'un sur un coup de chance, mais par quelqu'un de très fort. Louis est d'ailleurs très heureux de son parcours. Honnêtement, tous les critères se sont alignés pour que je ne continue pas l'émission. Si est-il comme ça, cela arrive forcément au bout d'un moment dans un jeu. Il faut que les choses tournent. Je m'y étais préparé depuis un moment d'ailleurs, confie-t-il à Femme Actuelle. Sur le coup, je suis tombé sur une candidate très forte. Et quand il y a un match avec ce genre de concurrent, il n'y a pas le droit à l'erreur. Je suis tombé sur une chanson que je n'avais pas réellement révisée. Vu le nombre de fois où j'ai infligé des défaites, je pense que si est un juste retour des choses. Louis se confie sur sa relation avec Nagui. Qu'en est-il de sa relation avec Nagui? J'ai trouvé Nagui très bienveillant et très gentil avec moi. Du début à la fin, même en dehors de l'antenne. Il avait toujours les mots pour m'encourager et me motiver. À l'heure actuelle, par exemple, je pense qu'il pourrait me répondre si je lui envoie un message. Si est-il une relation qui est relativement amicale. À côté de cela, l'ambiance sur les émissions était excellente. Il y avait toujours des moyens d'avoir de bonnes discussions. Une ambiance bon enfant. Times through the rough times I